ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps ensoleillé dégagé, une température extérieure déjà à 18-19 degrés, une température de l'eau à 18 degrés, une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à 11h50, coefficient de 93. Sur ce descendant, le vent est au nord-nord-est. Il y a un Beaufort. Il s'est calmé encore hein, par rapport à tôt ce matin. Le plan d'eau est légèrement ridé, les phases de vagues sont lisses. Et puis on a une petite houle courte de 7 secondes de période orientée ouest-sud-ouest, toute petite inconsistante. Déferlement régulier à 10 cm sur les scieries, il y a 20-30. Voilà. Des tout petits rouleaux de bord, très courts, très mous. Le premier flat de l'année, c'est quasiment impraticable, hein, à part pour les écoles équipées de grandes planches. Et pour ceux qui veulent faire trempette, regardez comme c'est petit, c'est vraiment tout petit, tout inconsistant. Évolution pour le reste de la journée, ben, la boire cachant commence à regrossir un tout petit peu avec du 80 cm et 4 secondes. On attend à 13h encore moins de 50 cm. Il devrait y avoir du 40. Sur une houle ouest à ouest-sud-ouest qui devrait s'allonger avec 10 secondes de période et un vent qui passe nord-nord-ouest à 2-3 Beaufort et à 17h 50 cm. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-ouest 3-4 Beaufort. La houle va rentrer avec le vent, elle va être petite, éclatée par le vent de nord. Ça s'annonce pas génial pour ce vendredi de chance. Allez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à 11h30 pour un prochain bulletin. Merci.